Bonsoir les filles. Bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai de la chance ce soir d'être avec Joseph qui est le responsable de la formation dans une école de coiffure. Voilà. Nous avons ce soir Joséphine. Joséphine, elle a 19 ans et Joséphine, elle se pose la question à savoir, ok, je veux devenir coiffeuse. Ok, j'entame un processus de formation, mais comment être sûre de ne pas se tromper d'école? Alors, pour ne pas se tromper d'école, c'est très simple. Il faut d'abord avoir un entretien avec le responsable de l'école, discuter projet professionnel, avoir quelques indications importantes concernant la profession. Mmh. Il faut visiter l'école, voir quels moyens l'école met à la disposition de l'élève pour réaliser son projet professionnel. C'est des moyens pédagogiques, mais c'est aussi du matériel, des produits, c'est une équipe pédagogique, c'est des ateliers de coiffure. Et enfin, pour être sûr de ne pas se tromper, il y a une troisième chose qu'il faut envisager, c'est de se rapprocher des professionnels du secteur et de leur poser la question, quelle avec est l'école qui travaillez-vous réputée, et ouais. Avec qui peut-on bien se former pour devenir un professionnel. Lorsqu'un élève se rapproche d'un établissement, il est important qu'elle puisse voir au sein de cet établissement des professionnels en train de s'entraîner. Oui, tout à fait. Et c'est le cas de notre établissement, puisque nous avons régulièrement des professionnels de toute la Réunion qui viennent s'entraîner sur des stages techniques, soit des stages de nouveauté, soit des entraînements qui vont leur permettre d'améliorer le service proposé dans leur entreprise. D'accord, donc c'est le plus. C'est le plus, ça veut dire que les professionnels font confiance à cet établissement. Est-ce qu'il y a des endroits clés, des mots-clés que les élèves justement pourraient connaître en disant voilà, j'arrive dans une école, si jamais il ne m'a pas dit ça, il est mauvais. Quels sont les signes, en fait? L'absence d'explication sur les critères de la profession, l'absence d'information, c'est un problème. D'accord. Parce qu'on risque de voir un jeune s'engager dans une démarche sans avoir bien compris les tenants et les aboutissants de cette démarche. D'accord. Très bien. Donc l'information est c'est prioritaire. C'est vraiment primordial. C'est primordial. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Joseph. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. Si par hasard vous avez manqué des informations, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur www.secretdefilles.tv et bien sûr notre page bleue. Des bisous les filles et bon appétit. Ciao.